travail. My name is Bart. Phoenix Bart. Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve pour un test, cette fois-ci de 007 Espion pour cible, la version GameCube et non pas la version PS2 puisqu'il est sorti sur PlayStation 2, également comme le test précédent que je vous ai fait. Alors c'est un jeu de tir à la première personne, on va appuyer sur Start, qui prend place dans l'univers de James Bond évidemment. Il est sorti sur PS2 comme je vous l'ai dit, par la suite porté sur GameCube et Xbox. Et ce jeu, c'est la première exploitation de la licence 007 sur les consoles de 6ème génération. Voilà, c'était le premier. C'est le premier que j'ai eu et j'ai passé énormément de bon temps dessus. Par la suite, il y a 007 Nightfire qui est sorti, que j'ai eu également sur GameCube. Donc choix d'une mission, bah, c'est le mode mission, hein, c'est un mode histoire, on peut dire. Charger mission, c'est bizarre qu'ils mettent ces deux trucs différents d'ailleurs. Sauvegarder, multijoueur et options. Alors moi, j'ai passé le plus clair de mon temps en multijoueur, autant vous le dire. J'ai passé vraiment une grosse majorité du temps en multi. On va checker un petit peu en... Alors attendez, agent 00, agent terrain. Agent 00 c'est le maximum, putain, on va mettre agent, parce que agent 00 c'est le plus difficile. Agent c'est facile, enfin c'est plutôt accessible. Agent c'est la difficulté moyenne, on va pas faire les kikimou, on va mettre moyen. Écoutez, inversé axe vertical on va pas mettre. Réticule c'est bon, récompense en or avec. Musique et bruitage, on va diminuer un petit peu. Voilà, c'est bon, on va laisser comme ça. Donc charger mission ou choix d'une mission. Donc choix d'une mission, qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'en ai qu'un? Ah d'accord, parce que c'est pas la bonne carte mémoire, il y a un souci. D'accord. Charger mission. Ah, bah tiens, c'est bon. C'est bon, j'ai chargé. Comme ça, vous voyez que je m'appelle Rudy et pas Bart. Mais bon, je pense que la plupart d'entre vous l'avez déjà compris. Il y a beaucoup de fichiers dans mes anciennes vidéos où je m'appelle Rudy. Donc voilà, vous savez que je m'appelle Rudy. Maintenant, attention, grosse coupe. Il a fallu que j'arrive à mes derniers tests pour vous dire explicitement, vocalement, que je m'appelle Rudy. Bon, ah, comme ça, que ceux qui savent pas mon prénom, ils le savent maintenant. Ça va écraser vos paramètres. Oui, évidemment, je vais écraser mes paramètres. Ça faisait peur quand tu disais ça, écraser tes paramètres. Genre, oh, tout va être supprimé. Mais non, ça va juste être remplacé par le chargement. Donc là, on aura toutes les missions. Donc on va revenir au début. Donc combien y a-t-il de missions? Il y a 12 missions. Donc là le premier, Bond à la rescousse. Donc la difficulté agent, ça c'est la difficulté en cours hein, que j'ai, c'est pas achievement ou quoi que ce soit. Vous avez le meilleur score à chaque fois de la mission. Médaille de platine 50 000 plus. Donc le logo c'est quand j'ai toutes les médailles de platine, c'est ça je crois. Ah attendez, j'ai Poséidon. Ah non, Poséidon, c'était la mission qui m'avait posé de gros soucis. Parce que j'avais pas réussi à avoir la platine dans Poséidon, c'était beaucoup plus dur pour moi. Et toutes les autres, ah, sauf rencontre au sommet, j'ai pas eu la platine. Sinon tout le reste, j'ai eu la platine. Donc vous avez vu, le plus 007, c'est les petits symboles à récupérer dans les niveaux en fait. Tu dois débloquer des trucs, des petites techniques. Enfin, je vous montrerai. Bond à la rescousse. J'ai envie de vous montrer ça. La première, débloquer pistolet d'or. Donc à chaque fois que tu débloques, tu platines une mission, tu as une arme. Hein. Regardez là, lance-roquette, précision en or, ou une arme ou un truc. Précision en or, chargeur en or, grenade en or. Après il y a quoi? Il y a Lotus Esprit, je sais pas ce que c'est quoi? C'est une mission, enfin un truc en multijoueur, je sais pas. Armure en or, Poséidon, j'ai pas débloqué du coup. J'ai pas tout débloqué, comme quoi je l'ai pas fait à 100% parce que c'était un peu dur, peut-être qu'il faudrait que je m'y remette. Bref, donc tu débloques des trucs manoir machin. Ah, donc l'histoire on s'en tape, hein, franchement. Alors attendez, déplacement, tirer, bon c'est toujours la même chose dans les FPS. Hein. Donc c'est un jeu qui, voilà, 007, ça a été décliné maintes et maintes fois sur console. Hein. Les aventures de James Bond, elles n'ont pas été tout le temps couronnées de succès, malheureusement. Notamment sur Wii, il y a par exemple un épisode tout pourri. Et voilà, l'épisode qui a le plus de succès, c'est évidemment GoldenEye sur 64, hein, qui a lancé
C'était le FPS en 3D de l'époque qui a cartonné, c'était une vraie révolution. Il a apporté énormément dans le monde du jeu vidéo. Donc là voilà, c'est... Vous pouvez voir le début de la mission, graphiquement c'est quand même correct, c'est pas ouf, hein. Franchement c'est... Je dirais que c'est... Les décors et les persos sont correctement modélisés, vous avez vu, c'est pas dégueulasse, pour... surtout pour l'époque, on était en quelle année, voilà, ce jeu est sorti chez nous sur GameCube le 12 mars 2002. Franchement c'était correct, sans être exceptionnel. Donc là il nous montre qu'en haut on peut passer par en haut, ça c'est un petit truc supplémentaire, on peut s'accrocher avec le grappin, voilà. Donc là, il va falloir que j'utilise la carte pour passer. Je crois que c'est ça. Donc là, vous avez vu les... attendez. Pourquoi je peux pas... Ah non, attendez, il faut que je change. Est-ce que je peux changer... Ah non, je peux pas changer le maniement. J'étais obligé d'aller dans les options. Écoutez, on va essayer de faire comme ça. Hop. Ah putain, c'est pas pratique du tout. Hein. Si j'avais su, j'aurais utilisé le stick. J'aurais utilisé le stick. Donc là, hop. J'aurais dû inverser les commandes. Bref. Donc là, on a quoi? On a le laser. Attendez, je vais utiliser le laser. J'appuie sur la petite croix directionnelle à gauche, hein, pour utiliser le laser. Non, ça, j'utilise B pour utiliser le laser. Le décodeur, il est là. Donc là, si j'utilise le décodeur, je vais passer par la porte principale. Par contre, si je passe au-dessus avec le grappin... Donc là, j'ai débloqué, vous avez vu, un petit symbole 007. Mais je vais pas y aller, là. Je vais pas aller à la porte principale. J'ai juste fait ça pour débloquer voilà, le truc 007. Sinon, je vais quand même m'infiltrer en haut. Donc là, je vise... Merde, pourquoi il veut pas que je vise? Faut que j'appuie sur B. Ah oui, j'utilise le grappin. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je me suis pas entraîné pour cette vidéo. Autant je me suis entraîné pour les précédentes. Donc là, j'utilise B pour m'accrocher. Ça, c'était énorme, le coup du grappin. Donc là, encore un symbole avec le petit jingle de James Bond. Regardez au loin, il y a une espèce de ville. C'est un JPEG. C'est un espèce d'image qui a été collée. C'est assez mal fait. Il n'y a rien de génial. Regardez le fond d'écran, il a été imprimé comme ça. Il n'y a rien qui bouge, hein, dans le ciel. C'est juste un visuel. Donc là, je crois qu'il faut aller... Je crois qu'il faut aller de l'autre côté. Je vais quand même reprendre mon arme au cas où. Là, je suis à main nue. Ah, attendez, là, c'est un symbole, un logo. Voilà, encore un jingle. Écoutez, là, je suis à main nue, donc je peux taper un R pour taper et L pour viser quand on a une arme. Donc là, j'ai grenade en or, pistolet d'or, je crois que ça tue en un coup. Oula, je sais plus si ça tue en un coup. Donc là, vous avez vu, je m'infiltre. Hein. Normalement, lui, il est pas censé me voir. Et si je lui fais un headshot, normalement, ça devrait le faire. Et si je passe derrière lui, est-ce que j'ai autre chose d'intéressant? J'ai un laser. Ah, j'ai pas de taser, j'ai pas de truc pour le taser malheureusement. Écoutez, je vais utiliser... Ah putain, par contre, j'ai pas beaucoup de balles. J'ai pas beaucoup de balles avec le pistolet d'or. On va essayer de lui faire un headshot. C'est parti. Voilà, headshot, il est mort direct. Donc là, on s'accroupit. Je sais plus comment on fait. Voilà, c'est X de la manette. Donc là, on va avoir encore un... Est-ce que je peux péter ça? Je vais essayer de le péter à la main, tiens. J'aurais peut-être dû m'entraîner parce que là, je sais plus jouer, hein, je vous avoue. Non, je peux pas le péter. Alors, peut-être avec mon pistolet d'or. Alors, le pistolet d'or, je crois que les balles... Hein? Attendez. Le pistolet d'or, les balles sont... Je sais plus si les balles sont infinies. Bref. Donc, à chaque fois... Voilà, porte cryptée, utiliser le décodeur. Donc là, le décodeur, il me semblait l'avoir déjà utilisé. C'est pas la porte principale que j'ai utilisé, ça, par hasard? Il faut que je la réouvre de l'intérieur, je sais plus. Attendez, je regarde si ça capture bien en termes de vocal, ouais. Voilà, donc là, j'ai redébloqué encore un truc. Il faut débloquer tous les petits jingles, les petits symboles, les petits trucs 007 pour avoir... Ah là, je crois qu'il y en a un symbole par là. Attends, il faut appuyer sur Y pour sauter. Je crois qu'il y en a un qui est caché dans les plantes à un moment. Ah, mais il doit pas être là. Je pense qu'il doit pas être là. Non, il est pas là. Bref, j'avance. Écoutez, vous avez vu, c'est correctement fait. Donc là, il y a l'alarme, faut pas appuyer dessus. Et si le garde m'avait vu arriver par la porte principale, il aurait essayé de déclencher l'alarme. Ça aurait fait le bordel, ça aurait ramené du monde. Bref. Donc là, je sais plus s'il y a des symboles. Écoutez, on va voir. Il faut que je passe par là. Il faut que je descende. Normalement, là, on va voir. Non, on voit personne. Est-ce qu'il y a des impacts de balles? Ouais, dans la vitre. Il y a quand même des impacts, vous avez vu. C'est quand même sympathique. Est-ce que je peux sauter par là? Non, ça sert à rien. Je peux péter les caisses ou pas? Non, je peux pas péter les caisses. Vous avez vu, il n'y avait pas encore de destruction du décor qui était très poussé. Donc là, j'utilise l'ascenseur. En fait, c'est assez mal fait parce que là, ça frise l'écran et ça met direct à la suite au lieu de faire un écran fluide. Oh putain. Attention. Il va essayer de... J'espère qu'il va pas essayer de déclencher une alarme. Bon, je lui ai fait un headshot. Ça va, j'ai encore des restes. Donc là, vous avez vu, il y a un symbole là-bas. Attends, je vais faire gaffe là parce que... Ah oui, il faut découper le truc avec mon laser. Je crois que c'est ça. Donc là, je vais aller récupérer le symbole déjà. Oh putain. Vous avez vu, il y avait un bidon. J'aurais pu le faire exploser pour buter le mec. Je vais d'abord aller récupérer le symbole.
Là, il est assez correctement, il est assez facile à avoir. Vous avez vu, c'est le premier niveau du jeu. Mais par la suite, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, je crois que l'ennemi, il a laissé une arme. Vous avez vu, les ennemis laissent des armes. On va essayer de péter ça. On va se reculer. Voilà. Est-ce que ça va laisser des trucs? Non. Vous avez vu l'effet de flamme, il est quand même mal fait. Donc on va avancer. Je vais devoir choper mon laser. Regardez, je vise. Donc là, écoutez-le. Vous avez vu? On s'est fait... On nous a donné des instructions exactement comme dans les films. Donc là encore un petit jingle. Franchement je kiffe ce jeu. Moi, il est sympathique. Voilà, je vais donner mon avis direct. C'est pas un jeu qui est exceptionnel. C'est un jeu qui est sympathique. Il est correct en tout. Mais il est pas... N'en attendez pas mon émerveillement. Moi il m'a fait passer énormément de bon temps à l'époque. Merde, il a appelé du monde. Attention, je vais tirer dans le bidon là-bas. Voilà, j'ai tiré dans le bidon. Je vais avoir un petit jingle encore. Voilà, c'est ça en fait. Là, il faut avoir des astuces pendant tout le jeu. Il va falloir trouver quoi faire pour optimiser son avancée et les kills des ennemis, c'est-à-dire pour les zigouiller au mieux. C'est quand même... Attention, est-ce qu'il y a un truc à faire tomber là? Il y a un truc avec la grue, je pense. Attendez. Parce que ça fait énorme... Ça fait des années et des années que j'ai pas joué. Donc là, normalement, je vais avoir un petit... voilà, j'ai un pistolet mitrailleur. On va l'utiliser quand même, c'est plus intéressant. Par contre là, je sais plus s'il y a le... Est-ce que je peux utiliser la... Ah ouais, c'est ça, vous avez vu, j'ai fait tomber la caisse sur un mec, je m'en rappelais de ça. Putain, ça fait quoi? Ça fait 10 ans que j'ai pas joué au jeu et je me rappelais de ça. Donc là, normalement, on va devoir essayer de s'infiltrer un peu. Non, il y a quelqu'un qui arrive, merde. On va se cacher. Ah, il nous montre l'armure, c'est pour nous pour avoir un peu plus de défense. Un peu plus de vie. Alors, on va se mettre là. On va essayer de se mettre ici. Ah, vas-y. Ça vise un peu automatiquement quand on se met à côté de lui. Mais pas tout le temps, donc faut pas en abuser de ça. Donc là, hop. Il y a une musique un petit peu plus dynamique, ça y est. Donc là, on va récupérer des munitions. Je crois que là, pour l'instant, j'ai tous les symboles. Ah, ça réapparaît, ça. Armure corporelle, génial. À mon avis, je suis bon pour la suite, là. Je sais plus s'il y a un petit boss à la fin de ce niveau. Parce que parfois, il y a des espèces de boss, des humains, enfin des gens qui sont un peu plus compliqués à battre que les autres en termes de défense. Attention, là, je me rappelle de ça. Je vais avancer, je vais me faire attaquer par plein de gens. Je me rappelle très bien de cette séquence. Je vais commencer à y aller. Est-ce qu'il y a un moyen? Non. Vous avez vu? Vous avez vu? Il y a plein de gens. On va essayer de foncer. On va essayer de foncer. On va essayer... Putain. Là, je me fais canarder. On va essayer... Oh, putain. On va essayer de foncer. Oh, putain. J'ai le truc 007. On va essayer d'attendre un peu là. Oh, putain. Là, ça pue. Là, ça pue. Autant vous le dire. Oh là là, il m'a envoyé une grenade. Il m'a envoyé... D'accord. Il m'a envoyé une grenade. Alors, attendez. Je vais essayer de me... Je vais essayer de me démerder. Putain, là, Ah, c'est lui qui me jetait des grenades, non? J'en ai récupéré une. Je vais essayer d'en balancer une, tiens. Il est où l'autre? Merde. Allez, tue-le. Grenade d'or. Oh, je l'ai eu. Ah non, je l'ai pas eu. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries, je l'ai pas eu avec ma grenade. Ah, il a un fusil à pompe, d'accord. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma grenade, c'est ma grenade qui m'a tué. Bon écoutez, je crois que j'ai pas... Ah si, je dois récupérer le symbole à nouveau. Écoutez, je vais essayer de tirer une grenade. Hein. On va essayer de faire ça. Putain, pourquoi il a pas voulu que je tire ma grenade? Mais... C'est pas possible. Ah, il faut que je reste appuyé, d'accord. D'accord, je m'en rappelais plus de ça. Putain, j'ai tout défoncé. Oh, j'ai tout démonté. On va essayer d'avoir ce... Ah putain, c'est lui. J'espère que lui aussi, il a pas une grenade d'or. Ça se trouve, je me suis fait tuer par l'autre, là. Je pense pas, parce que la grenade d'or, c'est quelque chose que tu débloques petit à petit par la suite. Donc là, est-ce qu'il y a... voilà. Oh putain. Il y en a encore un là. J'ai chopé son fusil à pompe, je vais essayer de le prendre. Non. Ah si, voilà. Frenzy, là, c'est le fusil à pompe. Qu'on peut utiliser, toutes les armes, on peut les utiliser en multijoueur. C'est ça qui est sympa, je m'en rappelle à l'époque. Donc là, voilà, je vais essayer d'avancer. À mon avis, j'ai tous les trucs... Ah, c'est quoi ça? Objectif atteint. Maintenant, c'est elle qu'il me reste à trouver. Ok, je crois que je suis bon là. On va avancer. Ah oui, je crois que tu peux changer le mode du fusil à pompe en appuyant sur Z, si je dis pas de conneries. Tu peux changer le mode des armes, par exemple, voilà. Non, ah non. Par contre, le lance-roquette, je crois que tu peux changer son mode. Par exemple, en mode des roquettes dirigeables, dans le mode multijoueur, je crois que tu pouvais utiliser différents modes. Oula. Attendez. Ah, il y a un truc là. Je peux le choper ça ou quoi? Ah, faut que je me baisse peut-être. Alors que là, c'est M, on entend M, vous avez vu. Et si je me relève, est-ce que je me fais voir là? Non, apparemment c'est bon. Écoutez, je vais essayer de faire attention. J'ai pas de sniper, c'est dommage, j'aurais bien essayé de viser de loin. Ah, il y a un sniper là-bas. Vous avez vu le sniper? Je suis bloqué?
Putain, j'étais bloqué, il y avait un espèce de bug. Alors que là, le sniper, il vise en bas. Ah oui, c'est la Zoé, c'est la fille qui est capturée. J'en suis à combien de minutes, là? Attendez, je regarde. 15 minutes. Écoutez, je vais essayer de faire vite. Soit je l'agresse avec ma mitrailleuse. Je vais l'agresser au fusil à pompe. Écoutez, on va foncer. Ah, il y a les requins. Vous avez vu les requins autour du sous-marin? Franchement, c'était assez sympa. Hein. Sans être exceptionnel graphiquement, encore une fois, c'était sympathique. Alors que là, voilà, c'est lui l'espèce de boss. Je crois qu'on le retrouve au bout d'un moment. Je crois qu'on va le retrouver dans de futures missions. Il est relou, lui. Et on peut le jouer en multijoueur, je crois. Donc là, voilà, il fait son boss. Après vous. Voilà. Préparez-vous à lancer le submersible. Bon là, il va falloir... Je crois qu'on est timé, on va devoir se dépêcher un peu. Donc je vais y aller au fusil à pompe, alors que là, elle voit son prince charmant qui va l'aider. Je vais essayer d'y aller au fusil à pompe, j'ai que 6 balles. Par contre, là, il va me voir, donc je vais essayer de me mettre par là. Je vais essayer de l'agresser comme ça, tiens. Je vais essayer de l'avoir là. Ah, il m'avait même pas encore vu, tiens. Putain, j'utilise mon... Voilà, je vais utiliser ça. Hop. Voilà, je vais essayer de buter les trucs là. Attendez, hop. Et si je peux... Je sais pas si je peux les avoir de là. Ah ouais, bah, je peux les avoir, attendez. Ah, j'ai tout dégommé là. Ah non, il y en a un qui est en bas là. Ah, j'ai plus de balles de fusil. Je vais devoir y aller à la barbare, merde. J'avais plus de balles de sniper. Putain, je me fais toucher. Je vais devoir descendre et y aller en mode bourrin. Hein. J'aurais voulu éviter de le faire, mais... On va essayer d'y aller comme ça, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Hop. Ah putain, je l'ai pas eu de là, il était trop loin. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Il était pas évident à avoir. On va descendre. Putain, par contre, là, ça va cartonner. Je vais reprendre ma petite mitraillette. Allez, on va y aller. On va se faire agresser, là. À mon avis. Il faut aller au bord de... À bord... Oh putain. Là, je peux pas avoir les trucs explosifs. On va essayer de foncer. Le mieux, c'est de leur foncer dessus. Écoutez, ça passe. Du moment que ça passe, on y va. Voilà. Putain, attention. Il est pas mort, lui. Il n'y a pas une petite armure, là, quelque part. Attendez. Ah, elle est là. Nickel, armure corporelle. Donc là, je vais essayer de foncer un peu. Ça va passer. Écoutez, si je fonce, ça passe. Regardez, il suffit. Oh, putain, il me jette une grenade. Heureusement que j'ai fait attention. Il n'y a pas de symbole. Je cherche des symboles, mais j'en vois pas. Donc, je continue à avancer. Tant que j'en vois pas, je continue. Ah, il est là juste derrière lui, attention. Hop, monte ta tête. Voilà, un petit headshot. Donc là, normalement, ça va bien se passer, à mon avis. À mon avis, ça va être bon. Ah, il y a juste encore les petits oeufs à battre. Je me retourne, non. Bah écoutez, je pense que là, j'ai fini la mission. Il n'y en a pas ici, là? Non. Je crois que j'ai eu tous les symboles, hein. Écoutez, on va voir. Ah, peut-être qu'il faut que j'aille derrière le sous-marin. Genre, il n'y a pas un symbole, là? Lancement dans 3 minutes. Attendez, est-ce que je peux monter, là? Je sais même plus. Non. Ah, il n'y a pas de symbole. D'accord, je pensais qu'il y en avait un. Vous avez vu le requin, là? Hop. On peut même pas le buter, hein. C'est juste, il est là pour décorer. C'est dommage, hein. Et attendez, que je me bute pas, quand même, parce que si je lance une grenade... Donc là, il faut que j'utilise, voilà, le laser pour la délivrer. Hop. Ça va lui faire un peu chaud aux mains. Voilà, vous avez vu une mission en entier. Je vais pas vous montrer les missions en entier, c'était pour vous montrer comment ça se passait. Alors que là, j'étais en difficulté moyenne, hein, agent. Et la difficulté maximale, c'est agent 00. Si vous voulez du challenge, vous en aurez. Donc la durée de vie, franchement, c'est le point faible du jeu. Parce que c'est le jeu, tu le finis assez rapidement en solo. Ça vaut surtout pour le multijoueur, en fait. Pour moi, j'ai passé énormément de temps en multi. Mais après, ça dépend de chacun. Si vous avez des gens avec qui jouer, etc. Même si le jeu, aujourd'hui, il a perdu en intérêt. Donc là, vous avez tout. Ah merde, astuce de Bond, il m'en manque une, en fait. Ennemi abattu, blablabla. Est-ce que je l'ai platiné? Non, on sait pas, parce que je l'avais déjà platiné. Écoutez, je vais vous montrer peut-être une deuxième mission et on va s'arrêter là. Toc, cargaison. Ah oui, peut-être un truc en voiture, là ça change, poursuite dangereuse. Je sais même plus si c'est le truc en voiture, cargaison précieuse. Je crois que oui, poursuite dangereuse. Les soirées de l'ambassadeur, c'était pas mal aussi ça. La nuit du chacal, c'est chiant, il y a beaucoup d'action. Les rues de Bucarest, ah ça aussi c'est un truc en voiture. D'ailleurs, ce truc en voiture, c'est vraiment original, je trouve, et ça apportait de la diversité au jeu, c'était franchement bienvenu. Les flammes sur la mer, je crois qu'il y a un boss là-dedans. Les couloirs de l'enfer, ah merde, on est sur un espèce de truc sur des rails avec plein de saves d'ennemis. Poséidon, c'est un truc sous l'eau, je crois que c'est super chiant. Crise en Méditerranée, et écoutez, je crois que je vais faire le truc en voiture. Je crois que cargaison précieuse, excusez-moi, elle est pas mal. Je vais la tester, je crois que c'est bien ça. Voilà, on doit me prendre en charge. Merde, j'aurais dû mieux regarder
le gameplay, les touches, parce que là je vais galérer parce que le gameplay en voiture c'est pas le même. Donc là qu'est-ce qui se passe? Je me souviens plus franchement ce jeu, ça fait énormément de temps que je l'ai fait, surtout en solo. Je me rappelle plus de Nightfire, hein, donc l'épisode suivant. Celui-là je me rappelle plus trop, je sais même plus ce qui se passe. Alors que là je vais faire encore 5 minutes maximum ou 10, pas plus. Donc là qu'est-ce qui se passe? Ah non, je suis en voiture, je vais devoir dégommer. C'est pas moi qui pilote. Je vais devoir dégommer des trucs, je prends un hélicoptère, tout. Ah c'est sympa ça, il y a une calache. Donc là on va voir qu'est-ce qui se passe. Ah, l'hélico là. Voilà, là vous avez vu j'ai eu le 007 parce que j'ai dégommé. J'ai dégommé le pilote. Donc forcément. Ouh attention, c'était quoi ça? Ah merde, ça c'était un civil. Droit devant. Ah putain. Il y a un hélico. Je vais essayer de pas me faire dégommer. Ah, je l'ai eu. Par contre, je crois que j'ai peut-être loupé un truc 007 là. Derrière nous. Il est juste derrière. Ah c'est bon, je l'ai eu. Ah si je dégomme les pneus des voitures, je crois. Ah voilà, c'est ça. Tu dégommes les pneus des voitures, ça le fait dérailler. Et du coup, bah forcément, tu gagnes un symbole. Je vais essayer d'avoir ces pneus là, attendez. Je vais essayer d'avoir. Si je... Ah voilà, encore une fois, vous avez vu les symboles, t'es obligé de les choper avec en butant les pneus. Sinon c'est mort, tu loupes des symboles et t'as pas la platine. Donc là encore une fois, j'ai bien joué. Donc là il faut faire gaffe derrière à mon avis. Non, faut regarder partout hein, parce que là franchement t'es pas à l'abri de. Je crois qu'il va y avoir un barrage là. Si je dis pas de conneries. Ah putain, je peux me déporter très rapidement en arrière. Ça j'avais oublié. Ah voilà. Mais tu dois le faire à chaque voiture, ça c'est chiant franchement. Tu dois faire dérailler chaque voiture. Putain, vite. Voilà, tu dois faire dérailler chaque voiture pour avoir les trucs. Donc là, si je fais côté et B, je me déporte très rapidement. Putain, un barrage droit devant. Il n'y a pas un truc explosif là? Merde, ah, je pouvais rien faire. Attendez, là je crois qu'il y a un truc à récupérer bientôt. Ah merde, le haut, oh, putain. Le mec avec son lance-roquette. Donc là, est-ce que j'ai tout... Non, j'ai pas tout dégommé là. Comment ça se passe? Oh putain, lance-roquette. Donc là, j'ai gagné encore une fois. Voilà. Bon, à mon avis, j'en ai raté un. Hein. Je pense que j'en ai raté au moins un des symboles. Par contre, la fusée à pompe. Oula, je vais changer de... Je vais changer d'arme parce que là... Putain, c'est le bordel. Attention, on va essayer d'avoir les roues. Ouais, encore une fois, là, je joue bien. J'ai réussi à avoir toutes les roues pour l'instant des voitures. Attention, il y a une autre qui me suit peut-être. Il n'y a pas un hélico quelque part. Ah, là-bas. Attention. Oh putain, mais je joue super bien. J'arrive à avoir tous les symboles là. Merde, l'hélico il est pas loin. Est-ce qu'il me suit? Je sais pas, on va voir devant. Oh putain. Oh putain, non, il y avait un symbole là-bas. Je l'ai raté. Comment ça se fait? Je peux pas y passer, je peux pas y aller. Je peux pas y aller manuellement, il y avait un symbole, je sais pas du tout comment le choper. Fallait peut-être que je bute le mec avant de le voir. Là, je l'ai buté trop tard, je pense que c'est ça. Je l'ai buté trop tardivement. Ouh là là, à mon avis, il faut buter la station essence là. Je vais tirer dans les... À mon avis, c'est ça. À mon avis... Voilà, c'est ça, fallait tirer dans le truc d'essence, ça c'était obvious, franchement. Et si je peux avoir le... Ah putain, vous avez vu, même le pilote, il avait un symbole à avoir. Donc là... Et si je peux avoir... Oh putain. Ah là, je suis dans la merde, là, attendez, hop. Oh putain, le fusil à pompe de là, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais j'y arrive quand même, écoutez. Ça passe, voilà. On va essayer de choper autre chose quand même, parce que là... Oh putain. J'ai une roquette, écoutez, j'ai un lance-roquette doré, on va l'utiliser, à la base il est pas doré, mais c'est quand t'avances dans le jeu. On va utiliser mon lance-roquette. Je sais pas si c'est la bonne arme à prendre, mais écoutez, je vais prendre. On va voir derrière. Le bâtiment. Oh putain. Je l'ai eu ou pas? J'ai tiré en plein dessus sur le mec. Objectif atteint. Putain, faut faire quoi? Ah, je dois y aller manuellement quoi? Comment ça se passe? Putain. Ah, les mecs, ils sont cachés sur les côtés, d'accord. D'accord. Je peux pas tirer là-dessus, là. Bah alors, le bidon. Ah, le bidon, ça lui fait rien. D'accord, ok. Ah, c'est le mec là-bas. D'accord, je devais buter tous les gens pour passer, c'est ça? À mon avis, c'est... Ah, putain, là, il y en a un en haut. Ah, non, non, j'ai oublié de tirer dans le... J'ai oublié de tirer dans la grue, là. Merde, à mon avis, il y avait un truc à faire avec la grue. Je suis sûr. Ou alors c'était dans une autre... Putain. À mon avis, j'ai raté des symboles. J'ai raté des... Merde. Vite. Ah, je l'ai eu. Yes, j'ai eu le symbole. Vous avez vu, fallait buter les deux.
Non, là je l'ai pas eu. À mon avis, il y avait un truc avec la grue. Allez, yes. Putain, mais il y a combien de symboles que tu butes dans ce jeu? Voilà, je l'ai eu. À mon avis, il y a la grue qui va tomber. À mon avis, je vais devoir tirer dans le truc rouge en haut. Je crois que c'est ça. Si mes souvenirs sont bons, je vais tirer dans le truc rouge. Vite, recharge, s'il te plaît. Pas tout ton temps. Et à mon avis, c'est ça. Mission terminée, voilà. J'ai raté quand même des symboles, hein, vous avez vu. Notamment le symbole qui était à côté du mec. Je pense pas que j'aurai la platine. Pourtant, vous avez vu, j'ai bien joué. Hein, j'ai correctement joué. Mais ça suffit pas, la platine. Il faut vraiment tout avoir. Je crois que c'est vraiment ne rater aucun truc. Si je crois, si mes souvenirs sont bons, il faut rater aucun truc. La bande son, voilà, ça reprend les thèmes, hein, bien connus des films de l'espion anglais. Donc c'est assez sympa à ce niveau-là, mais rien de vraiment nouveau, on va dire. Le scénario, bah, c'est pas non plus ouf, hein, mais bon, les scénarios dans les James Bond, c'est pas non plus un truc de ouf, vous avez l'habitude. C'est du classique. Franchement, ça, c'est sympathique, ça fait le taf. C'est pas exceptionnel, mais ça fait le taf. Voilà, c'est un jeu qui m'a bien diverti. C'était un de mes trois premiers jeux GameCube à l'époque. Moi, j'avais celui-là. Ma sœur avait Mario Sunshine, même si bon, elle avait le sien. Moi, j'avais le mien, mais on se les prêtait. On jouait l'un et l'autre au jeu de l'autre. Évidemment, c'était pour nous on vivait ensemble. Donc là, putain, le lance-roquette là, sur la voiture. Et donc, elle avait Sunshine, moi j'avais ça. Et on avait trois jeux en fait. Le premier, je crois que c'était Super Smash Bros. Voilà, c'était Smash Bros. Melee. Et après on a eu Espion pour cible, je crois que c'est mon troisième, on a eu Sunshine et celui-là. Bref, donc là je vais peut-être vous montrer une dernière mission avant qu'on s'arrête. C'est un FPS sympathique, voilà, de seconde zone, c'est pas un FPS majeur. Ah putain, vous avez vu, astuce de Bond, j'en ai 12 sur 13. Celle qui me manque, je crois que c'est celle que vous avez vue tout à l'heure, si j'avais buté le mec avant tout. Il me donne pas de score du coup, merde. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah le truc en pilotage en voiture peut-être. C'est peut-être sympathique. Je vais vous montrer 2 minutes de ça. Voilà, je vais vous montrer 2 minutes de la poursuite. On va faire ça. Donc là, freiner, marche, arrière, conduite, accélérer, changer la vue. Z, changer la vue, changer d'arme, frein à main. Tirer, mitrailler. Changer d'arme. D'accord, putain, faut retenir. Tirer, mitrailler, changer d'arme. Parce que là, on va. Je crois que c'est. On va piloter une Austin. Je crois que c'est ça. Hein. Alors attendez. Attendez, voilà, on va piloter. Yes. Merde. J'ai un certain nombre de roquettes, il va falloir que je fasse attention. Là, si je vais en arrière, je crois qu'il y a un symbole à récupérer. Je crois que c'est par là. Voilà, c'est ça, vous avez vu. Il fallait pas aller tout droit, il fallait aller en arrière. Et t'as un symbole. C'est ça dans les jeux, il y a des trucs qui sont cachés. Donc là, je vais faire marche arrière. Et on va y aller. Donc, voilà, j'ai eu mon permis il n'y a pas si longtemps que ça. Même si ça va faire un an quasiment. Donc on va voir si dans le jeu je maîtrise aussi bien. Donc là, tirer. Ensuite, les roquettes, c'est là. Missiles. Ah oui, putain, les missiles, c'est comme ça. Item 1, c'est quoi item 1? Je sais même plus. Écoutez, on va y aller comme ça. On va y aller comme ça. J'utiliserai la fumée, je crois, à un moment. Je crois qu'il y a de la fumée à utiliser pour mettre dans le... Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des symboles qui sont... Vous avez vu le premier symbole que j'ai eu? J'aimerais bien avoir les autres, putain. Voilà, je les ai dégommés, eux. Donc écoutez, je vais pas aller en quête de tous les symboles, hein, je vais faire la mission comme ça, je vais essayer de me dépêcher. Donc là, on va faire attention, je vais essayer de me dépêcher. Ah, putain, vous avez vu, le symbole était caché dans la caisse, c'est quand même super fourbe, tu dois péter des caisses pour... Oh putain. Attendez. Je vais juste voir un truc. Si je bute les trucs là... Ah bah voilà, c'est ça, t'avais un symbole en butant le bidon, c'est bien ce que je pensais. Donc là j'ai plus de roquettes, donc je vais changer, je vais utiliser les missiles. Tiens, c'est parti, on va... Tu utilises le radar pour voir où tu vas. Alors que là c'est assez le chaos, vous avez vu, tu tires un peu n'importe où. James Bond il s'en bat les steaks, hein, c'est-à-dire qu'il tire un peu n'importe où. Même si tu fais des morts civiles, bah tu vas gagner, propulsion. Ah, c'est pour aller plus vite la propulsion. Donc là je vais essayer d'aller vite, peut-être que je vais... Je sais pas si je vais boucler la mission, je vais essayer de me dépêcher. Donc là c'est... Voilà, tu... C'est un peu simulation de... course-poursuite, même si là on n'a pas encore vu les malfaiteurs, on va les voir bientôt. Je crois qu'ils vont être bientôt là dans quelques secondes. Je vais aller à droite. On va les voir bientôt, je crois. Hop. Voilà, ils sont là. Donc là, on va courir après. Par contre, si je tire dessus, nouvel objectif, stopper la camionnette. On va essayer de tirer dessus. Hop. Je sais. Putain. Par contre, je suis tout près d'eux. S'ils changent de... J'en étais sûr, ils changent de trajectoire. Hop. Hop, putain, je sais pas si c'est ça, si c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, je suis un gros bourrin. Propulsion, putain, la propulsion, est-ce que ça me sert ça? Putain, mais non. Attends, les roquettes. Ah, j'ai eu des roquettes. Si je leur tire dessus, peut-être.
sais pas si ça leur fait vraiment des dégâts. Est-ce qu'il faut que je les tue ou pas? Attendez. Est-ce que je peux les tuer déjà? Ça, c'est ma question. Est-ce que je peux les tuer? Ah, je peux leur rentrer dedans, en tout cas. Ah, mais attendez. Il faut que je passe devant eux ou pas? Putain. Ah non, c'est ça. C'est utiliser l'item. Attendez. Il faut que j'utilise le truc pour les neutraliser, c'est ça. Et comme j'ai plus d'item, il faut choper l'item spécial pour les neutraliser sur la route. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, j'ai un item missile. Il faut que je trouve l'item en question. Et qu'après je change quand je suis collé à lui. Putain, c'est compliqué en fait. Hein. Attendez. Parce que je crois qu'il... Échec de la... Merde. Bon, c'était ça en fait. Fallait se coller à lui et le neutraliser avec le truc électrique. Vous avez vu là, mon espèce de DeLorean, elle est morte. Je sais plus le nom de cette bagnole, mais bon. Écoutez, je vais commencer une nouvelle mission et on va s'arrêter là, ça fait déjà 30 minutes. Donc ça fonctionne bien dans ce jeu, écoutez, ça marche. Il y a de l'espionnage, il y a de l'infiltration, tout comme du bourrinage, tout comme des séquences en course-poursuite. Alors, quelle mission je vais faire pour finir un accueil glacial? Accueil, les souris de l'ambassadeur, je crois qu'elle est pas top. Accueil glacial, peut-être, les rues de Bucarest. Écoutez, accueil glacial, on va faire ça. On va s'arrêter là. Griffin, voilà. Donc les missions en voiture qui apportent un peu de diversité, c'est cool. Voilà, je regrette juste que la précision des tirs et la puissance des tirs soient assez hasardeuses. C'est pas non plus super bien géré, ça manque un peu de punch. C'est pas un jeu qui est non plus ultra jouissif. Il est sympathique, vous passez un bon moment, putain là il y a du temps. Alors là je suis sûr, attends, est-ce que je peux jouer au piano? Oh c'est énorme, vous avez vu, j'ai joué le thème de James Bond au piano. Ça c'est, je kiffe ce genre de détails. Alors là attendez. À mon avis, il va y avoir un symbole qui va être par là. Ah, j'ouvre la porte, j'ai ouvert... Bella, c'est quoi ça? Je sais pas du tout ce qu'il faut faire là. On peut toujours pas péter les écrans, putain. Attendez, est-ce qu'il y a un symbole? Parce que je kiffe... Voilà, ah, le symbole, je viens de le voir, il est là. Ah, par contre, faut pas déclencher l'alarme, attendez. La porte, elle est fermée, à mon avis, il faut ouvrir là. À mon avis, il faut ouvrir un truc ici. Voilà, c'est ça. Oh, putain. Par contre, tu ramènes des gens. Oh putain, par contre, le revers de la médaille, c'est que pour avoir ton symbole, t'es obligé de tuer des gens. Hop. Ah là, c'est plus... Ah putain, il y a un bug, vous avez vu le bug là-bas? Le mec, il était bugué. Attendez, on va faire gaffe, pistolet d'or. On va faire gaffe, on va se mettre un peu à couvert. Parce que là, sinon, on va se faire spammer. Il y a quand même une localisation des dégâts, si je tire dans la tête, il crève plus facilement. Hop, voilà. On va essayer de l'avoir à la grenade d'or. Hop, allez, on va y aller à Manu, tiens, hop, non. Un bon accueil à Monsieur Bond, ouais, bah là, c'est un super accueil. Donc là, il fallait tuer tout ça pour avoir le symbole. Vous avez vu, il faut aller les chercher, les symboles. Et là, une petite armure, ça nous redonne un peu de vie. Écoutez, je vais faire encore 2 minutes et on va s'arrêter. Mais bon, là, il n'y a pas vraiment d'infiltration. Il y a des missions où il y a quand même plus d'infiltration que ça. Écoutez, je vous laisse là. J'espère que vous avez kiffé ma vidéo. Moi, c'est un jeu qui m'a marqué. C'est un de mes 3 premiers jeux sur GameCube, mon premier James Bond. J'ai kiffé, regardez, là on peut choisir bourrinage ou infiltration. Moi je préfère l'infiltration, on va y aller par là. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine tout le monde, goodbye et... Congratulations, the test is now over. Vous devez sortir d'ici. Ça mérite une photo. Oh.
jouer, 007. Cela vous laissera un peu plus de temps. Garde ! Débarrassez-moi de Monsieur Bond. Monsieur Somerset, par ici, s'il vous plaît.